Bonsoir à tous, retour au théâtre après un petit mois de janvier très calme. Ce soir je suis au théâtre des Abbesses, donc le théâtre de la ville, la deuxième salle du théâtre de la ville, pour More Future de Faustine Lignacula, que je ne connais pas. Ça fait partie des spectacles que j'ai pris dans mon abonnement uniquement sur photo, donc complètement arbitrairement, parce que je me souviens que la photo que vous voyez là, elle me faisait penser à du voguing, elle me faisait penser aussi aux sapeurs, ça me rappeler un peu le spectacle de Trajan à la Reine, Antigone Sœur, que j'avais adoré. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait forcément très bien, enfin j'espère que ça sera très bien. Donc, sortie du spectacle, il y a quelque chose déjà d'assez frustrant d'être assis dans une salle très studieuse alors qu'on a juste envie de danser sur cette musique hyper entraînante. Sinon, il y a une vraie recherche entre la musique et la danse. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs moments où on arrive dans une espèce de fulgurance où le corps et la musique ne font plus qu'un, il y a une sorte d'unisson entre les deux. Et puis en fait au climax de la musique, on se rend compte que pas du tout, c'était pas du tout une réunion des deux, et que le corps continue à danser, qu'il continue à vibrer sur un autre rythme, qui est un autre rythme du silence, un autre rythme qui est sur la musique que fait le costume en mouvement. Donc ça c'était hyper intéressant. Il y a un autre point qui m'a beaucoup intéressé, c'est à un moment ils s'éloignent tout au fond de la scène, tous, les danseurs, les musiciens, et ils font là un petit cercle hyper fermé, hyper loin du public. Donc ils nous mettent vraiment à l'écart d'un micro-spectacle qu'ils sont en train de créer. Et il y a quelque chose du coup d'hyper théâtre dans le théâtre là-dedans, donc c'est hyper sympa. J'ai adoré les costumes au début. On est sur une espèce de boubou africain revisité qui fait un peu comme un cocon, enfin une chrysalide en fait, voilà plutôt, c'est ça le mot que je cherchais, une sorte de chrysalide, et ils en sortent avec des corps assez sublimes, je dois dire. C'est d'ailleurs très émouvant à voir. Il y a une scène où les corps hyper musclés comme ça bougent dans une lumière en douche, ce qui crée des ombres assez incroyables sur la musculature. Donc c'était vraiment hyper beau, des changements de rythme vraiment intéressants. Le texte est très bien porté. Par contre, j'ai pas compris si j'étais sur une séance spéciale pour les malentendants, ou si vraiment le spectacle est surtitré tout le temps, parce que d'accord, ils ont un accent, mais ça méritait peut-être pas un surtitrage, donc je sais pas du tout, il faut que je me renseigne si j'étais sur une séance pour malentendants ou pas. Voilà, donc franchement, spectacle à voir, artiste à suivre, je connaissais pas du tout. Et je pense que si j'ai l'occasion, j'irai revoir un spectacle.